Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Horreur sur le serveur EarthMC. On est sur le faction, ne Bonjour. l'oubliez pas, n'essayez pas de nous joindre sur le tourney. Et Horreur nous a mis seulement sans introduction au cas où il bug. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous, d'accord? À ma chaîne, c'est ça qu'il voulait dire, je pense. Et je reviens d'une expédition dans le Nether où je suis monté niveau 51. Le crois-tu, Horreur? Fais oui de la tête ou non de la tête, si mais t'arrives pas à parler. Oui, il le croit. Il fait bien. Et j'ai ramené plein de choses. Il faut savoir qu'il y a un mod pack qui permet d'avoir, avec une pioche skill touch, de récupérer les spawners. Et devine combien j'ai de spawners, Toujours Aurore? être. Je sais pas beaucoup. Tu dis 3? Tout ça? Oui. J'en ai 7. Bon alors, Horreur bug un peu, mais il a dit 7! Comment ça, 7? Et oui, j'ai trouvé 7 spawners à Blaze, j'ai fait beaucoup de donjons. Le dernier, j'ai trouvé 3 spawners dedans. Là, j'ai fait 4 donjons qui contenaient des spawners, je suis descendu super bas. Donc la technique pour avoir des spawners, c'est de s'éloigner énormément dans le Nether, parce que le Nether est pas bloqué. De s'éloigner énormément, ça peut prendre des heures hein, de trouver une zone où les joueurs n'ont pas encore exploré. Et là, vous trouvez des spawners. Si vous n'avez pas le courage de passer des heures à chercher dans le Nether, je pense que je vais revendre mes spawners. On en a acheté un qui est dans notre base Je pour pense qu'on un va en poser stack et au moins demi. deux. Donc, je pense que pour un stack d'or, si jamais vous êtes des abonnés, je vous prendrai des spawners. J'ai aussi trouvé un peu d'or dans mon truc. Pour l'instant, je la garde de mon côté. Je trouvais des selles, des armures à chevaux, mais il n'y a plus de chevaux et de. Il n'y a plus de chevaux sur la carte, je pense. De toute façon, c'est pas super utile. Quelques crèmes de magma, on va les mettre dans notre coffre à popo. Donc, j'ai fait plein de popo dans l'épisode précédent, entre cet épisode et l'épisode précédent. J'ai aussi trouvé beaucoup de diamants. Bon, ça, j'en avais une partie sur moi. Et on va s'amuser à faire des enchantements avec tout ce qu'on a gagné. Et j'ai récupéré 9 stacks de blocs de quartz. Ah ouais, Et je non, suis mais parti 9 pour vous donner une stacks de idée. blocs. Je suis parti avec 2 stacks de bouffe, dont un stack de pain et un stack de melon. Je reviens avec 2 pains. Donc merci à celui qui a fait des pains chez nous parce qu'il nous a permis d'avoir beaucoup de spawners. Y a une femme maintenant. Faudra qu'on fasse la visite de la base. Ouais, la visite de la base. Donc là, c'est l'étage Attends, principal avec tous j'arrive. les coffres Attends, qui sont sous l'eau j'arrive. pour Je être vais faire la visite protégés. de la base. Oui, ben je parle pendant ce temps-là. Là, on a chacun nos coffres privés de base. Bon, on a aussi un under chest, donc on peut se permettre. Normalement, il ne faut pas mettre des ressources trop rares dans ces coffres-là. Voilà. Alors là, va falloir qu'on m'explique pourquoi il y a de la cocaïne dans ce coffre. Lui s'est amusé à mettre une épée. Clown. Je sais que Clown a une chaîne YouTube aussi, si vous voulez passer. Je suis pas sûr qu'il joue sur ce serveur, par contre. Max la menace, Warrior, moi. Horreur, Nestuga. Clown Perrault, qui est revenu chez nous d'ailleurs. Il était parti chez nos ennemis qui s'appellent. Je sais même plus. IDK. Il est canac. Ouais, ennemi. DRV, IDK, Jérusalem. Jérusalem, ils sont ennemis avec tout le monde. Malaya, c'est un joueur surtout qui est assez faible. Momocorp, Maoming, ils sont ennemis avec plein de gens. Kyoto, c'est moi qui les ai mis, je les verrai peut-être. Et Rage. Description. Hydrolien Lily sur YouTube. Ouais! Il faudra qu'on la change un jour. On a 16 de land, de territoire claim. Donc on a mis les coffres sous l'eau de façon à ce qu'ils puissent pas être explosés. Qu'est-ce que tu veux faire visiter, Horreur? Ah oui! Bah, la salle du. Attendez. Donc là, c'est le coin à enchant et à popo. Les popos, on les fait là. Généralement. Bon, il y a plein de redstone. Généralement, on met les ingrédients dans l'entonnoir. Comme ça, ils arrivent tous défilés. Il faut juste des fioles d'eau là. On a chacun un under chest. Ça, c'est censé être un coffre à ingrédients de potions. Il y a aussi d'autres trucs. Là, c'est le coffre à trucs à enchanter. Et là, c'est nos deux coffres à popo. Donc, j'avais trié popo de niveau 2 et popo de niveau 1. Non mais c'est pas fort. Mais ils ont rajouté des popos de niveau 1 là. Bon, c'est pas grave. On a une table d'enchant juste là. Juste au-dessus, qui est niveau 30. Je peux vous le montrer. On fera peut-être des. On fera. Bah oui, on va faire des enchantes de mon côté plus Alors tard. ici la salle admin, c'est que pour les admins, hein. Les Ouais. pas ne peuvent pas y accéder.
J'ai peut-être défendu un peu trop Parce que quoi. Error a désactivé la possibilité d'appuyer sur des boutons pour les noms admin, de façon à pouvoir avoir des trucs privés. Mais comme je disais à Error, si jamais ils peuvent C'est la casser, salle. les noms admin, ils peuvent passer. C'est la l'aurore, je peux le récupérer. Ah, ils ont mis d'autres Si ça bug alambics. pas. Putain, mais si ça bug pas, merde! Doucement, frère. Ah, ça me saoule! Ah, putain, je galère! Bon, on Bon, continue la j'avais mission tant que j'ai trié. pas encore crashed. Ils ont pas tout trié. Donc là-haut. Alors, on monte d'abord. Voilà, là-haut. Là, un spawner que j'ai acheté à un stack et demi de. Avec de l'eau, et du coup, t'as juste à taper le monstre. Et du coup, tu gagnes l'XP et tout et tout. Ensuite, il y a le toit qui est en cours de finition, même s'il y a encore couche de lave et tout. Et en sous-sol, qu'est-ce qu'on a? Va voir, pas les sols. On va voir le spawner, le. Ah ouais, c'est bien d'avoir coupé l'échelle. Comme ça, avec notre slash home, on peut remonter, mais les autres, ils peuvent pas. Donc on a un Le. donjon, on a un portail, qu'est-ce que Un je raconte? donjon. T'es La base descendu de encore, clown, toi, mais Erreur? qui est. Quoi? T'es descendu encore? J'ai fait monter à 3 d'eau, ouais. Ouais, je vois ça. Et donc en fait, la stratégie, c'est les blocs de magma cube, ils vous attirent vers le sol et ils vous font prendre des dégâts. Si vous sneakez pas. Voilà, comme Horreur nous montre très bien. Et on se déplace très lentement en sneakant, même si on peut finir par arriver là-dessus. Et. Ah ouais, en fait, c'est impossible de se soulever. J'essaye, mais. Non, c'est impossible. Qu'il y ait 3 dos, c'était pas Là, possible. j'appuie Généralement, sur cet endroit-là espace, est mais ça fermé, hein. marche pas. Juste ouvert exprès. Donc ça vous attire au sol et ça vous tue si jamais vous arrivez pas à trouver le trou. Voilà, on a des poulets. Qui Je vois d'ailleurs pas se sont du tout son échappés de leur squelette là. enclos. Non, non, c'est moi qui les avais tués. J'ai fait un nouvel Ok. enclos et il y en avait plein et. On a une ferme à melon. Voilà, on a une ferme à canne à sucre. On a une ferme à verrue. J'ai une épée butin, alors ça devrait être moi qui m'occupe de tous les tuages de poules. Mais ça améliore les levels de sword, donc je pense que tout le monde le fait. Oh, les vilains. Alors, on a une Pointer à deuxième sortie. étage. Et pour l'instant, le reste, c'est du blabla. Du mal placé en fait, surtout. Ouais. Ah, il s'est mis des coffres. C'est Perrault? Ouais, mais c'est mal placé, ouais. Ouais, le truc. Bah, les machines, il n'y a pas de machine. C'est qu'ils sont pas bien centrés sur la base, donc on va Les sûrement murs s'arrêtent bouger. là et ils sont en plein milieu des murs. Y a des gens qui parlent chinois, il y a des gens qui se moquent, qui font Xing Chang Chong. Alors qu'ils sont totalement français. Non, Ce qui veut dire Ching Chang Chong en anglais, peut-être. non, il est français. Ah. Il parle français et anglais en vrai. Voilà, donc fin de la visite de la base, le reste c'est pas encore avancé. Sur le toit, si on peut voir sur le toit, ça peut être marrant, comme ça. C'est gros. Le toit est aussi Il y a des gens qui ont remplissable. fait un canon à TNT là-haut. Hein. Ouais. C'est les IDK et Les tout. Tout crapules. Et ils y ont est fait pour des essayer trous de dans la les base ou aider. pas? Oh non. D'accord, donc on peut plus monter sur la base, mais le toit est couvert de lave, c'est ça? Totalement. En plus, c'est joli sur la carte. Ok. Bon bah je pense que c'est bon, on va passer aux enchantes. Nous y voici. Donc j'ai déjà une pioche fortune 3, efficacité, solidité. Et j'ai une efficacité 3, toucher de soi. Alors solidité, solidité, Où est-ce que t'es solidité, à toi? T3, Protect 3. C'est mieux d'avoir Protect 4 direct, on est d'accord? Oh. J'ai eu un truc très chouette sur mon. Ah, aspect de feu 2, c'est intéressant ça. On va prendre. Ah mince, c'est Tourmento. C'est. Je sais plus comment c'est, mais c'est un truc pour faire plus de dégâts aux mobs qui font des dégâts. Alors, efficacité Ah, mais 4. enfin, t'as un problème. Proche prot. Efficacité Je vais me faire 4. quelques levels pendant que je t'enchante au spawner. Alors, proche prot. Qu'est-ce qu'on a sur une épée? Recul, pas très intéressant. Enfin, efficacité 4. Mince, il n'y a que ça. Solidité. Sweeping Edge qui se dit affilage en français. Toucher de soi. On va te faire une toucher de soi. Hop. J'ai une pioche donc Alors, je Protect peux faire n'importe 3. quoi, c'est bien. Recul. Efficacité. Efficacité. J'ai pas de pelle efficacité donc on va en faire une d'abord. Parfait. Efficacité, solidité. Proche prot. Tourmento, je sais plus comment ça se dit. Toucher de soi.
Il vaut mieux tuer chez toi sur une pelle aussi. Bon, voilà. Hop, c'est une chouette pelle. Solidité, recul, efficacité. J'hésite à faire solidité. On aura besoin d'un placement solidité quand même. Allez. Oui, protect 3. Alors, ok, efficacité. Hop, je crois qu'on est bon. Je sais plus quoi virer là. On va dire le charbon c'est pas une ressource si rare. De toute façon, on a besoin de charbon, hein, à part pour les torches. Et les fours? Non, on prend des brutes de blaze. Ah, bah oui, c'est vrai. Moi, j'en veux bien. Du diamant? Pourquoi faire? tout. Bon, allez. Je suis généreux. Ah oui, j'ai plus les niveaux là, mais ça peut se faire. Ah d'ailleurs, j'avais un truc que je voulais voir. MC. Comment on voit les stats d'un métier particulier? Slash MCMMO 2 points le métier. Alors, mining. Hop. Donc là, je suis à Ça fait 100. Ça fait 100 par 100 les trucs comme ça. 1607. Donc si je rajoute un bloc, ma question c'est, Vas-y, est-ce moi que je vais te j'ai le perdu? faire. Non. Mais je gagne plus d'XP en recassant les blocs. Et toi, horreur, si jamais tu casses ces blocs. Ah, mais t'as fait MC stats? Non. Mince, bon alors c'est plus bon que pour Je te l'XP. pose des blocs et tu les casses? Ouais, on peut essayer. Bon, bah tout est miné, j'ai fait les enchantes que j'ai pu, donc horreur. Toi, tu as le droit à une pioche, efficacité 4, toucher de soi, une pelle, efficacité 4, efficacité 3, solidité 3, une épée, aspect de feu 2, et sweeping edge, et truc des arthropodes qui fera que tu changes. Voilà. Alors, ma vieille armure, on va lui trouver une place. Qu'est-ce qu'on va Ta virer? vieille armure. Oh, elle est Ouais. ouf celle-ci, c'est que du P3. Non, j'avais pas du P3, loin de là. T'as combien de niveaux, horreur? 17. Tu voudrais me faire une fusion? Bah, une fois quoi? D'épée pour 11 niveaux. Je peux, ouais. Enfin, J'arrive. pour 12 niveaux. 12, je suis pas sûre. Alors, faut que tu les mettes dans le bon sens et que tu l'appelles. Ah non, elles sont des gardes. Non. Faut que tu les mettes dans le bon sens, celui qui coûte le moins et qui permet d'avoir du tranchant. Et que tu l'appelles ce qu'il sera peut-être sur YouTube. Quoi? Tu quoi? C'est une façon de me faire de la pub. Il faut que tu appelles l'épée ce qu'il sera peut-être sur YouTube. Merci. Parfait. Parfait, parfait. On va pouvoir s'amuser avec ma nouvelle épée. L'ancienne, elle s'appelait ce qu'il pourra sera peut-être sur YouTube aussi. Celle-là, je l'avais pas encore fusionnée. J'avais eu tout sauf Brolingo d'un seul coup. On va traquer des joueurs? Ouais, pourquoi pas. Bon, bah alors c'est la fin des enchantes. Et la fin de ce début de vidéo. La suite, quand on aura des trucs intéressants à vous montrer. Première cible, Yakivak. Ou Il a Jack pas Ivac, de... Il d'accord. a pas... Il a... Il est en aucune alliance. Tu penses que c'est un type qui va vers l'Australie parce qu'il y a Fuse et tout? Peut-être. On verra. J'aime bien ce mec, il est drôle, il zigzague. À l'est après. Mais par contre, je vais finir par perdre de la distance. Hey, j'avais le sneak là. J'ai pas fait descendre. Bon, là il m'a fait descendre, mais.
Oh, c'est tellement relou les tracks en bateau. Et là, le terrain ne charge plus, je tombe dans le vide et je meurs. C'est le drame. T'as récupéré ton stuff vu que t'es mort comme ça, non? Ben, j'espère. Là 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 là, j'ai eu tellement peur. Bon, alors finalement, on a abandonné la traque du joueur parce qu'il s'est déco. On est reparti sur la traque d'autres joueurs, mais ils se sont déco. Et du coup, on arrive chez eux. C'est haut, hein? Allume le deuxième. Horreur, est-ce que tu buguais? Chier, je l'étais pas du tout. Il vient de me passer un sac de diams. Qui ça? Oui! C'est pété. Sais pas encore. La redstone, à ce que je vois. Putain, ok, ça a créé mille pantalons. Yo. Bonjour. Oui. 40 blocs de redstone. Beau pillage. Beau pillage. Je viens de me PVP avec un joueur que j'ai attaqué et que j'ai pas réussi à tuer. Il a réussi à fuir avant. Je lui ai couru après. Et malheureusement, j'avais plus de bouffe dans mon inventaire. Donc ça m'a pas aidé. Et il me demandait pourquoi vous faites pas de dégâts. Pourquoi je te faisais pas de dégâts. Et la réponse est lui, il était full fer. Et moi, j'étais protect Chance, 3-4 mais diams. pas une option, tu prends pas. Je suis déçu de pas avoir pas l'avoir tué, mais bon. C'est pas même Breaking 3, tu prends pas. J'ai flame pour 30 XP. Bon, on prend. Pour rappel, les IDK, ceux qui ont choisi de nous attaquer alors qu'on n'avait même pas fini la base claim, qui nous ont brûlé les ressources qu'ils n'ont pas pris. Enfin voilà, vous voyez le genre de gens. Maman, tout est... Non, trop triste, ça marche pas, c'est la démarrer. Un système coffre et j'y suis plus moi aussi. Bon bah c'est bon, on a tout brûlé, on peut y aller. Ensuite, on a tout rapporté à la base et on est retourné PVP. Et devinez ce qu'on a trouvé, des joueurs invincibles. Et après les invincibles, les joueurs full D, full P4. Aïe 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 aïe, ça s'est terminé tellement vite. Dans le prochain épisode, moi je vous le dis, on va piller la base de PLM QVQ et Uncle Sam. Vous allez voir. Sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode.